Dans ce tutoriel, nous allons parler des enrichissements donc pour un accord, par exemple, de Do majeur. Donc, Do majeur, nous avons Do qui va être la fondamentale, Mi qui va être la tierce, et Sol qui va être la quinte. Donc, je rappelle qu'un accord, c'est une superposition de tierces. Il en faut au moins deux, c'est-à-dire il faut en fait trois sons pour avoir un accord. En l'occurrence, ici, nous avons un Do majeur. Si je superpose encore une tierce à cet accord, je vais avoir donc la septième. Donc 1, 3, 5, 7. Et si je continue, je vais avoir ici la neuvième. Alors, il existe en jazz des renversements bien spécifiques. Les deux les plus utilisés sont fondamental à la main gauche, septième avec le pouce. Avec le 2, on va appuyer sur la 9e, la tierce avec le doigt numéro 3 et la quinte avec le 5e doigt. Donc 1, 7, 9, 3, 5. Enfin, ça nous donne un superbe accord. Voilà. Un autre renversement aussi très utilisé, il est très simple. Donc la basse, Do. À la main gauche et à la main droite. Cette fois-ci, on va commencer par la tierce. On va avoir 3, 5, 7, 9. Donc, premier renversement, on commence par la septième. Deuxième renversement, on commence par la tierce. Et on déroule les tierces, donc 3, 5, 7, 9. Par exemple, si on prend donc un accord de Fa majeur 7, 9, on va faire donc les mêmes renversements, soit donc 7e majeur, 9e tierce quinte. Si ensuite j'ai envie de jouer un Do majeur 7, je vais chercher à aller au plus près. Je vais donc utiliser voilà, ce renversement-là. Et non pas celui-ci. Parce qu'il est plus éloigné et on n'a pas cette conduite des voix que l'on recherche. Alors maintenant, si je pars de ce renversement là pour Fa majeur 7, donc fondamental, tierce, quinte, septième majeur, neuvième. Cette fois-ci, lorsque je vais aller sur Do, je vais utiliser l'autre renversement. Et là, c'est pareil, on a une conduite des voix qui bouge presque pas. Donc, dans ce tutoriel, on va parler des enchaînements harmoniques très connus, en l'occurrence le 2-5-1. Donc, pour comprendre le 2-5-1, il faut déjà comprendre la série diatonique. Si je prends la tonalité de Do majeur, je peux superposer donc à chaque degré de la gamme des tierces et donc je peux obtenir des accords. Sur le premier degré de la gamme, Do majeur, si je superpose donc 3 tierces au-dessus, donc je vais avoir un accord de 4 sons, donc un accord de 7e, je vais avoir un Do majeur 7. Sur le deuxième degré, je vais superposer des tierces et je vais avoir un Ré mineur 7. Sur le Mi, je vais avoir un Mi mineur 7. Sur le Fa, je vais avoir un Fa majeur 7. Sur le Sol, je vais avoir un Sol 7. Sur le sixième degré, je vais avoir un La mineur 7. Et sur le septième degré, je vais avoir un Si semi-diminué, donc avec finalement une septième mineure, une tierce mineure et une quinte diminuée. Donc le 2-5-1, c'est tout simplement le deuxième degré de la gamme qui va succéder le cinquième degré de la gamme et qui va arriver sur le premier degré. Donc on va utiliser pour ça les voicings que l'on avait vus précédemment. Donc le 2, Ré mineur 7, donc avec la septième, la neuvième, la tierce,
et la quinte. On va juste donc jouer sol à la basse. Et on va juste déplacer une seule voix. Le do va passer sur le si qui va être la tierce de l'accord. Voilà, les autres doigts n'ont pas bougé. Donc, plutôt. Et ensuite je résous. Hop, sur ce renversement-là. Si je pars de l'autre renversement que nous avions vu, je vais avoir Ré mineur 7 comme ceci. Sol 7, je vais juste descendre pareil sur la tierce de Sol. Fa, La, Si, Mi. Et Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Si, Ré. Voilà. Alors pour l'accord de septième, ici en fait il est un petit peu spécial, puisqu'on a la septième ici, la neuvième, la tierce, et on va utiliser le Mi qui va être en fait la sixte. C'est-à-dire, si vous voulez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, la sixte de l'accord. On pourrait faire également comme ceci, c'est-à-dire au lieu d'utiliser la sixte, on pourrait rester sur la quinte. Mais voilà, pour des raisons esthétiques spécifiques au jazz, on utilise souvent la sixte. Et ensuite, on résume ici. Donc pareil pour l'autre renversement, c'est-à-dire que lorsqu'on partait comme ceci, hop, non, plutôt comme ceci, lorsque j'arrivais sur sol, j'avais ici le Mi qui devient donc la sixte pour Sol. Et Do majeur 7-9 ici comme ça. Donc je rappelle les différents renversements. Donc pour Ré mineur, donc comme ceci. Alors il faut préciser aussi que la tierce et la septième de Ré mineur sont mineures. Voilà. Donc la septième est mineure et la tierce est mineure.